Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la toute première séance du challenge 66 by Sarah. Le challenge 66 by Sarah, c'est un challenge que je me suis lancé, que je vous lance également, celui de faire 10 minutes de sport par jour pendant 66 jours, parce que 66 jours, c'est le temps moyen pour ancrer une habitude sportive. Donc voilà, je compte sur vous pour aller au bout de ce challenge et pour faire entrer plus de sport dans votre quotidien et faire en sorte que vous soyez en meilleure santé, meilleure forme et surtout que vous ayez un super moral. Donc on commence par cette première séance de 10 minutes accessible à tous. Adaptez-la en fonction de votre niveau, faites le maximum et surtout soyez réguliers. Alors on va commencer déjà par travailler assis sur les fesses en rameur ici et là on vient chercher sur les côtés. Si c'est trop difficile, vous pouvez poser les talons au sol. Allez, 1, 2, on rentre le ventre, on garde le dos droit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, on s'allonge, on tend les jambes vers le plafond, les pointes de pied vers vous et là, on va plaquer les mains au sol. Vous pouvez soit poser la tête sur le tapis, soit la décoller pour solliciter encore plus les abdos. Et là, on va descendre une jambe après l'autre. 1, 2, 3, on expire bien, on rentre le ventre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste ici, on pose la tête et là, on écarte et on serre. 1, 2, 3, jambes fléchies, les jambes bien gainées, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, là on part en vélo, ici, là, on décolle la tête si on veut pour travailler encore plus les abdos, on serre le ventre, on rentre le nombril et là encore, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on enchaîne tout de suite. On reprend la position de départ. Les jambes tendues, les pieds fléchis. Et là, on vient chercher la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, on pose les pieds au sol. Là, on va mettre une main au niveau des tempes, on va décoller les épaules. Regardez au niveau du plafond, on rentre le ventre et là, on va chercher juste sur un côté, là, pour travailler les obliques. 2, 3, on rentre le ventre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On fait pareil de l'autre côté, on rentre toujours le ventre, la main au niveau des tempes et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, on relâche. On va coller les pieds, les plantes de pieds entre elles, les poser au sol. Là, je vais tendre mes bras vers l'arrière. Je rentre le ventre et je vais me redresser là. 1, 2, on rentre bien le ventre. 3, on expire en montant, 4, on garde le dos droit, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on s'allonge, on garde les jambes dans la même position, on va tendre les bras vers le ciel et là on va légèrement décoller les épaules en contractant dès qu'on est en haut là. 1, on contracte les abdos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, on relâche, on redresse ses jambes, on vient là poser les mains sur les cuisses. On va rentrer le menton et là, on va laisser glisser doucement les mains le long des cuisses pour aller jusqu'aux genoux en rentrant le ventre, en décollant légèrement les épaules, la tête
dans le prolongement de la colonne vertébrale et on regarde en direction du plafond. Là, 1, on rentre le ventre, on expire, 2, 3, 4, 5, 6, allez on s'accroche, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche, là, on va tendre les bras le long des cuisses, mais en parallèle au sol, on va décoller légèrement les épaules. Là, on sent déjà la contraction, on regarde au plafond et là, 1, sentez là, 2, ça se resserre, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose, là on va travailler le bas du ventre, je vais vous demander de décoller là, les fesses, on soulève le bassin et on descend les pieds presque au bord du tapis à 5 cm. Là, j'ai la tête posée et là, 1, 2, on rentre bien le ventre, on serre les abdos quand ça descend, 3, 4, 5, 6, 7, 8, expirez bien, 9 quand on monte, 10, 11, et 12. Ok, on relâche, on se pose quelques secondes et on va repartir sur un autre exercice qu'on va répéter 3 fois. Le prochain exercice, je vais vous demander de lever les jambes, là de les placer en angle droit, d'écarter légèrement. On va placer ses paumes de main au niveau des genoux et là on va exercer une pression opposée. Donc j'ai mes jambes qui vont tirer, pousser vers l'avant et mes mains qui vont les retenir, d'accord? Et au moment où on va pousser, on va rentrer les abdos, aspirer le nombril. Et là, vous allez voir, si vous jouez le jeu, ça travaille de façon très intense. C'est un exercice qui est vraiment efficace. On se positionne là et on pousse. Allez, pieds fléchis, on pousse, on pousse, on pousse. Vous allez sentir le travail au niveau abdominal. Allez, encore un peu et on relâche. On se pose, on va le faire 3 fois. Vraiment, mettez une vraie pression au niveau des jambes. Là, on pousse et on fait opposition avec les mains. On se replace. Allez, on refait. On appuie. Allez, encore un peu. On va résister. Là, inspirez, expirez. On a les pieds fléchis. On a les genoux qui s'approchent de la tête, qui poussent, qui poussent, qui poussent. Allez, encore. Encore un peu. 3, 2, 1 et on relâche. On va le refaire une troisième fois. Je pense que vous sentez l'efficacité. N'hésitez pas à la fin de la séance me dire en commentaire comment vous l'avez ressenti cet exercice. Moi, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est vraiment efficace. On recommence. On va le faire une troisième fois. Toujours les jambes en angle droit. On a les mains sur les genoux et on se donne à fond. Allez, c'est parti. On pousse. Là, les pieds fléchis. Là, exercez une pression. Là, les mains viennent en opposition. On rentre le ventre. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez. On relâche. Ok. Là, on va mettre la cheville sur le genou opposé. Mon coude va venir toucher le genou. Là, en diagonale. On rentre le ventre. Et c'est parti. Là. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On change de côté, pareil, la cheville vient se poser sur le genou opposé et là, en diagonale, 1, 2, le coude vient chercher le genou, 3, 4, rentrez le ventre, 5, expirez en montant, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, on relâche. On va se mettre en position de planche. On arrive au bout de 10 minutes. Là, ici, on est bien solide. Les épaules bien au-dessus des mains. Les fesses serrées, le dos rentré. Et là, le genou vient chercher le coude opposé. Pour 12. 1, 2, serrez bien les abdos. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11.
dernier. Là, toujours en position de planche. Donc, soit vous pouvez rester en position classique. Vous pouvez aussi poser les genoux, mais en veillant à être bien aligné. Une belle ligne, épaules, bassin, genoux. Sinon, on est là en position de planche, bien solide. Et on vient toucher ses épaules. Là, le bassin toujours parallèle au tapis. On ne bascule pas. Là, on est solide. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On reste là quelques secondes. Allez, on finit. Ok, soufflez. Voilà pour aujourd'hui. Bravo si vous êtes allé au bout de ces 10 minutes. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Faites de votre mieux. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine séance. N'hésitez pas à partager, à challenger vos amis sur le Challenge 66. Et prenez bien soin de vous. Et à demain, 19h, pour 10 minutes de renforcement musculaire avec moi.